Je suis très honoré, très fier de porter ce maillot, porter ces couleurs. Je sais très bien ce que les gens pensent, ce qu'ils se demandent. On va aller vite sur le sujet. En France, on met certaines personnes dans des cases. Le sportif doit rester dans sa case et moi, je suis habitué à sortir de cette case-là. Voilà, je sais faire rire, je sais aussi être un bon consultant parfois, mais je sais aussi travailler, mettre le bleu de chauffe et être focus sur le football. Donc si j'ai fait ce choix-là, c'est que je compte bien m'épanouir, remettre les points sur les i et prendre du plaisir au niveau football surtout. Donc je suis très honoré. Je suis bien mentalement. Je sais que ça va être compliqué pour moi parce que je sais que je vais être surveillé, je vais être attendu. Mais voilà, à travers mon sourire et mes blagues, je sais que je suis et les professionnels le savent, je suis un grand bosseur. C'est dur de me faire tomber, hein. C'est dur, hein. C'est dur de m'enterrer. Mais voilà, je suis comme ça. J'aime sourire autant que le travail, la transpiration et la sueur. Je suis fait comme ça, je peux pas changer, donc j'aime les défis. Et puis après, derrière aussi, le coach. Alors, tout le monde connaît le coach. Quelqu'un qui aime jouer au ballon, on prend du plaisir. Et surtout avec un jeu ambitieux. Donc pour moi, tout était réuni pour venir ici. Mais maintenant, c'est à moi d'être focus et de. C'est bien beau de porter le maillot de l'Estac, de revenir en Ligue 1, j'ai beaucoup de félicitations. Maintenant, j'attends qu'une chose, hein, c'est de retrouver mon niveau à 100%, j'y suis pas loin, mais surtout de gagner des matchs. Et puis voilà, je vais vivre pour le football, donc je suis impatient de tout ça. Je trouve que c'est une équipe ambitieuse, avec beaucoup de caractère, de courage. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Je pense que via ma carrière, je peux apporter beaucoup d'expérience déjà, de caractère. Je suis un joueur qui n'aime pas perdre. Peut-être certains conseils à l'intérieur du vestiaire, sur le terrain. Voilà, pour tenir un score, je sais que ça va être l'un de mes rôles les plus importants. Quand on a discuté avec Laurent sur les nécessités de la construction de l'effectif, il a toujours été question d'essayer d'apporter au groupe, certes de la qualité, mais aussi de l'expérience. Donc on travaille depuis un certain temps maintenant sur les opportunités qui s'offraient à nous. Et puis est venue l'opportunité aussi d'Adil. Forcément, ben, tout le monde connaît son expérience et sa capacité à partager ce qu'il a pu vivre et ce qu'il a pu construire depuis 15 ans maintenant, qu'il a débuté sa carrière dans un club professionnel. Donc cette opportunité, elle remplissait quelque part toutes les cases qu'on s'était fixées. Après, quand on voit ce qu'il fait plutôt, parce qu'on ne va pas parler au passé, mais ce qu'il fait, et ce qu'il a encore fait la saison dernière, à Boavista, c'était plus que rassurant sur sa détermination, sur la détermination qu'il peut avoir à continuer et à nous aider. On a énormément travaillé sur certains profils pour avoir un peu plus d'expérience dans notre équipe. On en avait besoin parce qu'on a un groupe malgré tout assez jeune, mais à la fois aussi jeune en termes de niveau en Ligue 1, puisqu'il y a énormément de joueurs qui n'ont pas connu la Ligue 1 dans notre équipe. Et quand on a construit l'équipe en début d'année, j'avais demandé à François d'essayer de pouvoir trouver des joueurs qui puissent nous amener toute cette expérience sur le terrain et notamment aussi en dehors. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, et j'en avais parlé aussi avec Adil, j'étais arrivé comme ça un petit peu aussi en termes de capitaine de club qui arrive pour essayer d'aider le club à grandir. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, c'est quelqu'un qui va m'apporter certaines choses et un relais à la fois dans le vestiaire, à l'extérieur. Mais comme je lui ai dit aussi, pour pouvoir apporter quelque chose à une équipe, il faut être légitime sur le terrain. Et la légitimité sur le terrain, il faut qu'elle se gagne à la fois l'entraînement et pendant les matchs. Mais oui, bien sûr, quand on prend des joueurs comme Adil, ça ne peut être qu'un relais pour un entraîneur.